Guten Tag, liebe Lernerinnen, liebe Lerner. Je suis Tazis, professeur de la langue allemande au lycée Pierre Savanat de Brazza A, et aujourd'hui je m'intéresse aussi aux élèves de la terminale A. Gut. Heute werden wir mit mir den Infinitiv sehen. Infinitiv. Der Infinitiv. Einführung. Was ist der Infinitiv? Der Infinitiv ist die erste Form eines Verbs oder die Form eines Verbs, das nicht konjugiert ist. Nehmen wir ein Beispiel. Sein Beispiel. Sein. Haben. Oder werden. Hier sind viele Verben. Sehen, arbeiten und so weiter. Also hier haben wir sein, haben, werden. So, diese Verben sind im Infinitiv so. Der Infinitiv ist das Verb, das nicht konjugiert ist. Aber das Ziel ist hier nicht der Infinitiv, sondern der Infinitivsatz. Heute werden wir die Bildung eines Infinitivsatzes sehen. So, eins, die Bildung eines Infinitivsatzes. Gut, Infinitivsatz, das ist die Phrase infinitive auf Französisch, Infinitivsatz. La phrase infinitive, c'est une phrase qui contient un verbe à l'infinitif. C'est-à-dire, dans une phrase, nous avons un verbe étudié à l'infinitif. Nehmen wir ein Beispiel. Beispiel, ich kann schreiben. Ich kann schreiben oder ich habe zu tun. Ich habe zu tun. So, ici sont les phrases infinitives. Nous avons le verbe kann qui introduit l'infinitif et dans la deuxième phrase, nous avons zu qui introduit l'infinitif. Das ist das Ziel heute. Wie bildet man den Infinitivsatz? Ist das Ziel heute? Wir werden die Bildung jetzt sehen. So, A, Bildung. Bildung eines Infinitivsatzes. Nous formons la phrase infinitive en allemand avec certains verbes. La préposition « zu » ou des locutions prépositionnelles, comme nous les avons au tableau « zu »,« anstatt zu »,« ohne zu » ou bien « zu ». So beginnen wir mit den Verben. Die Verben, die den Infinitiv anleiten. Les verbes qui introduisent l'infinitif. Commençons avec le modal « verben ». So, Bildung wie Bildung. Wie Bildung. Bestimmte Verben. Die Verben, bestimmte Verben. Oder zu, Präposition anstatt zu, ohne zu, oder zu. So, A. Die Verben, die den Infinitiv anleiten, les verbes qui introduisent l'infinitif. So, A, Bildung, B, Infinitiv, Satz, mit Modalverben.
infinitif satz mit modal verben. Il est très facile, quand on nous demande de former des phrases infinitives, il est très facile de former une phrase infinitive avec l'un des verbes de modalité. En allemand, nous avons 6 verbes de modalité que voici. 6 verbes de modalité, nous avons können, können dürfen, pouvoir, müssen, sollen, devoir, et enfin, wollen, mögen, vouloir. Vouloir. Nous avons 6 verbes de modalité, können, dürfen, pouvoir, à Französisch, müssen, sollen, devoir, wollen, mögen, vouloir. Alors, avec ces 6 verbes de modalité, la phrase infinitive est facilement construite. Où nous formons facilement la phrase infinitive avec ces verbes de modalité. Avec le verbe de modalité, donc les 6 verbes de modalité, nous avons donné des exemples. Avec les 6 verbes de modalité que nous avons au tableau, l'infinitif est sans tout. Nehmen wir Beispiel. Mit können Beispiel. Beispiel, ich kann essen. Ici donc, dès que vous avez le verbe de modalité ou l'un des verbes de modalité, on venait de présenter le 6 verbes de modalité. Donc, dès que vous avez l'un des verbes de modalité, ici conjugué à n'importe quel temps d'ailleurs, le second verbe se met à l'infinitif. Et vous avez là ce qu'on appelle la phrase infinitive, infinitif satz. Il n'y a pas de préposition zu. Donc ici, le verbe à l'infinitif essen est introduit par le verbe kann, verbe de modalité. Können, kann au présent, et essen est introduit par ces verbes. Il n'y a pas de préposition ici. C'était le cas, je peux prendre un autre cas, Er darf avec dürfen, er darf ausgehen. Er darf ausgehen. J'ai le verbe dürfen ici, conjugué au présent, et le verbe ausgehen est à l'infinitif. J'ai la phrase infinitive, sans la préposition zu. Alors, en dehors de ce verbe de modalité, donc le verbe de modalité qui introduisent l'infinitif sans zu, sans préposition zu, zu que nous avons au tableau, il y a bien d'autres verbes à côté de ces verbes. C'est ce que nous allons noter. Donc, on va noter A, B, T, A, B, T, Andur, Verben. C'est andere verben. Nous venons là de mettre les 6 verbes de modalité qui nous permettent facilement de former les phrases infinitives sans préposition, mais nous allons voir tout à l'heure d'autres verbes qui peuvent aussi nous aider à construire des phrases infinitives. Alors, ces verbes sont les suivants. J'ai par exemple fühlen. Fühlen, helfen, hören,
les reines. Les naines. Zeyen. Alors, nous avons au tableau, donc en dehors de verbes, nous avons dit, on venait de dire, il y a les six verbes de modalité qui introduisent l'infinitif sans préposition, sans la préposition tsu. À côté de ce verbe, nous avons d'autres verbes que voici. Nous avons fühlen, le verbe sentir, helfen, le verbe aider, hören, le verbe écouter, lehren, le verbe enseigner, lernen, le verbe apprendre, et enfin sehen. Il peut exister bien d'autres. Alors, ces verbes introduisent un infinitif sans la préposition « zu ». Prenons un exemple. Ich lerne. Je vais mettre, le second verbe se mettra à l'infinitif sans préposition. Ich lerne tanzen. Ich lerne tanzen. Alors, le verbe tanzen, lui, est à l'infinitif, introduit par le verbe lernen. Donc, lernen agit ici comme un verbe de modalité. Donc, il peut introduire l'infinitif sans zu. Beispiel, sieht den Mann. Sieht den Mann. Sprechen. Alors, sieht, le verbe sehen que nous avons voir, sieht introduit le verbe sprechen à l'infinitif sans préposition. Donc, ces verbes aussi peuvent introduire l'infinitif sans tsu comme le verbe de modalité. Alors, nous venons là de voir l'infinitif sans la préposition tsu. Après ce verbe, nous allons passer à l'infinitif avec la préposition tsu. So, A, Bildung, B, Infinitiv, Satz mit Modalverben, die anderen Verben. Jetzt werden wir den Infinitiv mit der Präposition zu sehen. Jetzt mit A, B, C, jetzt D. D, infinitiv Satz mit zu. Alors, le verbe que nous venons de voir sont des verbes de modalité ou d'autres verbes qui sont au tableau peuvent introduire l'infinitif sans tsu. Mais il y en a qui ne peuvent pas, malheureusement, introduire à l'infinitif, mais s'ils le peuvent, c'est au moyen d'une préposition et de la préposition tsu. Donc, ces verbes peuvent introduire. Prenons le cas du verbe haben. Si je prends haben, le verbe avoir, ou avoir, manger, manger ne sera jamais à l'infinitif, il sera plutôt conjugué. Alors, haben pourra introduire un infinitif ou un verbe à l'infinitif au moyen d'une préposition. Nehmen wir ein Beispiel. Beispiel. Ich habe la préposition zu et le verbe zu tun. Ich habe zu tun. Ici, nous avons le verbe tun à l'infinitif. Ce n'est pas parce que nous avons l'auxiliaire haben ou le verbe haben ici, mais c'est parce que nous avons la préposition zu. Et ici, l'infinitif est introduit par la préposition zu. Et il y en a beaucoup de verbes comme ça qu'il faut maîtriser en allemand qui ne peuvent pas introduire, malheureusement, l'infinitif qu'au moyen de la préposition zu. Donc, il faut obligatoirement la préposition zu. Alors, le verbe que nous allons lister au tableau sont des verbes qui, en français, introduisent l'infinitif sans la préposition a ou de, mais qui ne peuvent malheureusement, qui ne les introduisent malheureusement pas en,
en allemand. Ce n'est pas le cas en allemand. Le verbe, par exemple, behaupten. Behaupten. Prétendre. Prétendre en français introduit un infinitif sans préposition. Par exemple, je prétends être malade. J'ai je prétends et le verbe prétendre introduit le verbe être à l'infinitif sans préposition, ce qui ne sera pas le cas en allemand. Donc, tout le verbe que nous allons lister ici, c'est le cas. Ce sont des verbes qui, en français, introduisent l'infinitif sans préposition, mais en allemand, il faut qu'il y ait une préposition. Ces verbes, donc, nous avons behaupten, denken, erklären, glauben, hoffen, scheinen, wagen, wissen, et enfin wünschen. Nous avons ces verbes, ces différents verbes, pas comme des verbes de modalité ou d'autres verbes qu'on venait de voir, qui introduisent l'infinitif sans tsu, sans la préposition tsu. Ces verbes que voici ne peuvent introduire l'infinitif qu'au moyen de la préposition tsu. Alors, si on vous demande de former une phrase infinitive avec la préposition tsu, pensez automatiquement à ces différents verbes. Vous avez behaupten. Behaupten est un verbe qui pourra introduire l'infinitif qu'au moyen de la préposition zu. Par exemple, ich behaupte, Lehrer zu werden. Ich behaupte, Lehrer zu werden. En français, on dira simplement, je prétends être enseignant ou devenir enseignant. Prétendre devenir enseignant sans la préposition zu. Mais en allemand, ich behaupte, plus la préposition zu, Lehrer zu werden. Ich denke, Beispiel, ich denke, später zu sein. Je crois être en retard. Ich denke, später zu sein. Il faut la préposition zu. Je souhaite satisfaire ou encore réussir au concours cette année. Ich wünsche die Prüfung zu bestehen. En allemand, il faut obligatoirement, c'est avec ces verbes, obligatoirement la préposition zu. Nehmen wir viele Beispiele mit diesen Verben. Beispiele. Oder Beispiel, c'est bizarre. Ich behaupte, Lehrer zu werden oder denkt, Recht
zu haben. Alors, ce sont les différents verbes qu'on venait de lister au tableau qui ne peuvent introduire l'infinitif qu'au moyen de la préposition zu. Nous avons là des exemples. Ich behaupte, virgule, comma, Lehrer zu werden. Ce n'est pas le verbe behaupte hier qui introduit l'infinitif, l'infinitif que nous avons werden, mais c'est plutôt la préposition zu. Alors, dans cette phrase, nous avons deux propositions. La première, c'est la principale, ich behaupte. La deuxième, c'est Lehrer zu werden. Alors, la première proposition, elle est dite principale. La deuxième, elle est dite infinitive. C'est ce qu'on appelle proposition infinitive, Lehrer zu werden. Alors, on vous demandera aussi de former un objet infinitif. On dit simplement build infinitive object. Alors, avec l'objet infinitif, c'est quoi l'objet infinitif? Ich behaupte, Lehrer zu werden. Dans la proposition infinitive, vous avez un complément. Et le complément de la proposition infinitive, c'est celui qu'on appelle objet infinitif. Infinitif object. Ich behaupte, Lehrer zu werden. Lehrer hier ist object. C'est l'objet infinitif. Denkt recht zu haben. So, hier l'objet infinitif ici, c'est recht. Nous avons là denkt, qui est la proposition principale. Et recht zu haben, qui est la proposition infinitive. Recht, c'est l'objet infinitival ou l'objet infinitif, ce qu'on appelle das infinitif object. Ok, hier haben wir den Infinitivsatz mit der Präposition zu gesehen. Jetzt sehen wir Infinitiv mit den zusammengesetzten Präpositionen wie anstatt zu, ohne zu, zu. Avec les tournures prépositionnelles ou encore des locutions prépositionnelles comme anstatt zu, ohne zu ou bien zu, on peut aussi construire facilement des phrases infinitives. So, ABCD, E, anstatt zu. So, das ist Beispiel Infinitivsatz mit anstatt zu oder mit der Präposition anstatt zu. Aber das ist die zusammengesetzte Präposition. Okay, l'allocution française, l'allocution prépositionnelle française, au lieu de, c'est traduit en allemand par anstatt zu. An Statt zu. Et on mettra ceci. Alors, avec l'allocution prépositionnelle anstatt zu, on peut aussi former la phrase infinitive facilement. Nehmen wir ein Beispiel. Prenons un exemple. Beispiel. Ich esse. Ich esse du mango, comma. Anstatt. Zu essen. Hier ist das Beispiel. Ich esse die Mango, comma, anstatt den Apfel zu essen. Alors, nous avons, comme on l'a fait tout à l'heure, nous avons la proposition principale, ich esse die Mango, et
la proposition infinitive. Anstatt, ce n'est pas comme en français au lieu de, mais nous avons d'abord anstatt, nous mettons le complément. Donc, le complément, lui, il est entre le deux prépositions. La préposition anstatt et l'autre zu. Vous mettez le complément au milieu. Entre anstatt et zu, le complément est au milieu. Et ça aussi, c'est un objet infinitif. Quand on vous demande build infinitif object, vous avez là l'objet infinitif. Ich esse du mango anstatt den Apfel zu essen. Vous avez den Apfel ici, c'est un objet infinitif. Et le verbe, lui, est à la fin, introduit par la préposition toujours zu. Mais ici, il s'agit de la locution prépositionnelle anstatt zu. Facilement, vous pouvez aussi former des phrases infinitives avec cette préposition. Cette locution prépositionnelle, excusez. Alors, nous avons « ohne zu ». Après « anstatt zu »,« wir haben »,« ohne zu ». So, « e »,« f »,« ohne zu ». Alors, la préposition française « sans » peut se traduire, pas toutefois, mais peut se traduire en allemand par la locution prépositionnelle « ohne zu ».« Ohne zu ». Ohne zu. Alors, quand on nous demande de construire ou de former une phrase infinitive, facilement, si on ne veut pas la former avec la locution prépositionnelle anstatt zu, Entschuldigung, on peut la former avec la locution prépositionnelle ohne zu, qui signifie en français sans. Beispiel, nehmen wir ein Beispiel. Beispiel. Geht in die Kirche. Geht in die Kirche. Komma. Ohne. Die Bibel. Zu bringen. Geht in die Kirche, Komma, ohne die Bibel zu bringen. Ohne die Bibel zu bringen. Alors, vous avez là la préposition zu, ohne et zu, la locution prépositionnelle. Geht in die Kirche, ja. Geht in. Ja. Geht in die Kirche, ohne die Bibel zu bringen. Nous avons là la proposition principale, in die Kirche. Alors, la proposition infinitive, ohne zu bringen. Et le complément, lui, est entre la préposition ohne et zu. C'est une locution prépositionnelle. Il y a deux prépositions, donc ohne et zu. Le complément est au milieu et ce complément s'appelle infinitif. Object, l'objet infinitif. Infinitif object, et le verbe, lui, est à la fin. Donc, il est au même temps, si on vous demande de former une phrase infinitive, donc cette phrase au même temps,
phrase infinitive parce que nous avons un verbe à l'infinitif avec tu, mais aussi infinitif object parce que vous avez là l'objet infinitif. Er geht in die Kirche, ohne die Bibel zu bringen. A, B, C, D, E, F, jetzt nehmen wir zu, so das ist... Das ist G. Zu. Zu. Alors, la préposition française pour peut s'y traduire. Il y a beaucoup de traductions, mais peut s'y traduire par tsu, la locution prépositionnelle tsu, deux prépositions, donc et tsu. 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 Beispiel. Ich lese, die Prüfung zu bestehen, Beispiel. So, ich lese, c'est la proposition principale. Alors j'ai l'objet infinitif die Prüfung et enfin zu, la préposition zu qui introduit le verbe à l'infinitif. C'est la même chose, je lis pour réussir. Ich lese die Prüfung zu bestehen avec zu. Donc avec zu, on peut facilement former la phrase infinitive ou l'objet infinitif. Attention, entre la proposition principale et la proposition infinitive, il y a, ou le groupe infinitival, si on le veut, il y a la virgule. Es gibt ein Komma. Il faut mettre la virgule et la virgule est obligatoire. Il est possible toutefois de commencer par la proposition, encore le groupe infinitif. Ce n'est pas obligatoire de commencer par la proposition principale. Il est toutefois possible de commencer par la proposition ou le groupe infinitival. C'est possible. Ok, wir haben den Infinitivsatz mit Modalverben. Donc, nous avons appris la phrase infinitive ou la construction de la phrase infinitive avec le verbe de modalité. Vous le connaissez, les six verbes de modalité. Mais attention, l'infinitif sans dessous, ce n'est pas seulement avec le six verbes de modalité. Il y a bien d'autres verbes qu'on venait de présenter. Donc, vous pouvez facilement former des phrases infinitives sans dessous avec ces différents verbes. Après, nous sommes passés à l'infinitif avec tsu, avec la préposition tsu. D'abord, donc les verbes qui exigent la préposition tsu pour obtenir l'infinitif. Et nous sommes allés aux différentes prépositions, encore aux différentes locutions prépositionnelles qui peuvent nous aider de construire, encore de former les phrases infinitives. Das ist nicht alles. Jetzt sehen wir den doppelten Infinitiv, oder le double infinitif. Tivai, double infinitif. Alors, on va vous demander de former le double infinitif, simplement Bild infinitif object, infinitif Entschuldigung, Doppel infinitif. Comme ça, Doppelter infinitif, le double infinitif. Qu'est-ce qu'on entend par le double infinitif? Quand l'un des verbes
les verbes de modalité ou les six autres verbes que nous venons de voir est conjugué à un temps composé du passé, ça doit être un temps du passé, perfect ou plus-qu'imperfect. Alors, le participe passé du verbe de modalité ou de ce verbe qui introduit l'infinitif sans tsu est semblable à un infinitif. Voilà ce qu'on appelle le double infinitif. Nehmen wir ein Beispiel. Je prends können au temps composé. Ich habe den Apfel essen können. Ich habe den Apfel essen können. J'ai pu manger la pomme. Alors, ici, normalement, ces verbes que voici, donc ce verbe de modalité, devrait être au participe passé. Mais son participe passé ici est semblable à un infinitif. Donc, vous avez le verbe essen qui est à l'infinitif. Et le verbe de modalité lui-même aussi se met à l'infinitif à la fin. Il se mettra toujours à la fin. Et c'est ce qu'on appelle, donc c'est cette structure qu'on appelle le double infinitif. Je récapitule, le double infinitif, c'est quand l'un des verbes de modalité ou des verbes qui peuvent introduire l'infinitif sans tsu est à un temps composé. Son participe passé est semblable à l'infinitif. Okay Leute, ich glaube, das ist alles für heute und ich werde eine Übung hier setzen und Sie werden sie korrigieren. Sie haben 5 Minuten, um diese Übung zu korrigieren. Übung. Bilde. Ein Infinitivsatz. Entschuldigung, ohne zu, c'est-à-dire vous formez une phrase infinitive sans la préposition zu dans un premier temps. Alors là, vous formez la phrase infinitive avec la préposition zu, c'est-à-dire une phrase à l'infinitif ou une phrase infinitive, mais dans laquelle vous aurez la préposition zu. Ich glaube, das ist alles für heute, Leute. Tschüss.